Bonjour et bienvenue dans les vidéos du Bilboquet. Aujourd'hui, deux jeux. Un jeu pour 6 ans, La Vallée des Vikings, présenté et inventé, créé par Wilfried et Marie Faure, et puis qui a gagné, il faut le citer quand même, le Kinderspiel des Sierras, donc une récompense prestigieuse allemande en 2019. D'un autre côté, nous aurons un jeu à partir de 7 ans, Keblo, de chez Gigamic, qui est un jeu qui va, qui va vous faire travailler les neurones un peu, même si au départ il paraît très simple. Donc tout d'abord, La Vallée des Vikings. La Vallée des Vikings, donc un jeu à partir de 6 ans, qui va mélanger des capacités d'adresse et des capacités tactiques. Le but du jeu est de gagner le plus possible de pièces d'or qu'on va pouvoir collecter chacun dans son petit dracard. Là, nous n'en avons sorti que 2, mais normalement, il y en a 4 dans la boîte. Pour collecter ces pièces d'or, il va falloir se déplacer le long d'un ponton. Et à chaque fois qu'un personnage tombe à l'extrémité du ponton, tous ceux qui sont encore sur ce dit ponton vont pouvoir collecter des ressources, des pièces d'or. Si je suis devant une case avec pièces d'or, je collectionne la quantité de pièces d'or indiquée que je prends dans la pioche et que je mets dans mon dracard. Si je suis devant ma propre case, c'est que c'est mon anniversaire, chaque autre joueur doit m'offrir une pièce d'or. Si je suis devant la case d'un adversaire, j'ai le droit de lui piquer une pièce d'or dans son dracard. Et alors, vous allez me dire, comment fait-on pour se déplacer? Eh bien, c'est là qu'intervient le côté physique du jeu. Nous avons une boule, une grosse boule de bois, que nous allons, à l'aide de ce petit lanceur, projeter sur les tonneaux de couleurs qui sont au centre. Ah bah là, j'ai fait un strike. Donc si j'ai fait un strike, ça veut dire que j'ai le droit de déplacer d'une case chacun des personnages. Alors, déplacer, ça veut dire que j'ai normalement une case en avant, mais si les cases suivantes sont occupées, je peux passer par-dessus. C'est là que va intervenir la partie un petit peu plus stratégique, puisque l'idée étant de faire tomber le personnage d'un adversaire à l'extrémité du ponton, à un moment où moi je me trouve sur une case très intéressante, type anniversaire ou 4 pièces d'or. La partie s'arrête quand on a réparti toutes les pièces d'or. Donc c'est un jeu qui est assez joli. La boîte n'est pas très grande au début, mais elle est présentée sous forme de puzzles au niveau du plateau. Et donc on a un très très joli plateau assez grand. J'ai oublié de vous préciser que pour le joueur suivant, une fois que des tonneaux sont tombés, on peut les remettre où on souhaite. Donc si par exemple j'ai envie de faire tomber le jaune et le rouge, mais pas le vert et le bleu, je peux essayer de les séparer de manière à viser ceux qui m'intéressent. Donc voilà, un petit peu de tactique, un petit peu d'adresse. C'est vraiment un jeu très très rigolo. Quand le gamin arrive avec ça sous le bras, on n'a pas forcément envie d'aller faire la vidange de la voiture. D'un autre côté, chez ABBA, donc puisque c'est un jeu proposé par ABBA, en ce moment il y a une offre, donc il faut que nous en parlions, pour l'achat de 2 jeux ABBA, et ce jusqu'au 24 décembre, en vous inscrivant ensuite sur le site. Vous allez gagner un jeu pour vous supplémentaire et un jeu sera offert à la Voix de l'Enfant, une association donc. Donc faut le signaler, c'est très sympa de la part d'ABBA de nous faire des cadeaux à nous, mais pas que à nous. On va passer ensuite au jeu Keblo. Donc Keblo, c'est un petit jeu, un party game, c'est assez rigolo, mais ce jeu-là va faire vraiment travailler nos neurones, faire travailler notre mémoire de travail. D'un côté, nous avons 20 cartes numérotées de 1 à 20. Et de l'autre côté, nous avons des contraintes qui sont dessinées avec une petite chauve-souris toute mimi et un cafard. En fait, c'est un jeu de Reimagier, c'est une marque allemande et à chaque fois, on retrouve des cafards dans leur jeu en général. Donc, plein de petites choses qui vont se passer. On va commencer la partie par tirer au hasard 2 cartes de valeur. Donc là, nous avons le 17 et le 11. Le but est très simple, il faut compter de façon collective jusqu'à 20. Donc si je dis 1, bah là le caméraman, puisqu'on n'est que 2, va dire 2. Puis je dirai 3, puis 4, jusqu'à là tout va bien. Sauf qu'à cette partie, nous allons inverser le 17 et le 11. Donc ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 12, 13, 14, 15, 16, 11, 18, 19, 20. Si jamais on fait une erreur, on perd une petite pierre, donc elle est violette, ça doit être une améthyste. On perd une petite pierre
Et la partie est perdue si toutes les pierres ont été dépensées. Selon le nombre de joueurs, il n'y aura pas forcément la même quantité au départ. Manche suivante, nous allons recommencer à compter à partir de 20, à partir d'1 jusqu'à 20, pardon. Je vais sélectionner une nouvelle valeur, donc là ce sera le 17, et je vais sélectionner une contrainte. Le 2 doit être, enfin la carte, pardon, le 19 devra être chanté. Du coup, nous en sommes rendus à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 12, 13, 14, 15, 16, 11. C'était 18, 19, 20. Et ainsi de suite, à chaque manche, à chaque fois, il va falloir recompter de 1 jusqu'à 20, et à chaque fois, on va rajouter une contrainte supplémentaire. Celle-là, eh bien, il faut faire certainement un tour sur soi-même, je ne les connais pas tous par cœur. Donc, au lieu de dire 5, je ferai un tour sur moi-même. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 12, 13, 14, 15, 16, 11, 18, 19, 20. À chaque fois, évidemment, il ne faut rien oublier. Selon la difficulté choisie, nous aurons plus ou moins de contraintes accumulées. Donc, je reprends le petit papier parce que je ne connais pas par cœur. Le niveau 1, on aura 6 cartes contraintes en tout. Donc, 6 cartes comme ça, plus l'échange. Niveau 2, ce sont 10 cartes contraintes. Niveau 3, 14 cartes contraintes. Et niveau 4, 18 cartes contraintes. 18 cartes contraintes, il faut le préciser. Puisque vous avez aussi l'échange, ça veut dire qu'aucune des valeurs ne sera dite normalement. Donc dans les contraintes, on peut en reprendre quelques-unes rigolotes. Faire le coq. Dessiner le chiffre sur la table avec son doigt. Se boucher les oreilles. Faire un cœur avec ses doigts. Ça se boucher les yeux. Faire le poisson. Je ne sais pas ce qu'ils attendent par faire le poisson, si c'est ça. C'est possible. Donc il y en a tout un tas comme ça, on ne va pas les passer toutes, mais on peut chuchoter, on peut avoir à se boucher le nez, à faire de grands gestes de chauve-souris pour s'envoler. Voilà, il y en a tout plein, croiser les mains, ainsi de suite. À chaque fois, ce sont des dessins, donc il n'y a pas de lecture à faire, simplement chaque carte, l'effet de chaque carte est quand même détaillé dans la notice, histoire qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, amusez-vous bien. N'hésitez pas donc à profiter de l'offre ABBA et à venir nous voir sur les réseaux sociaux.